Mais des mères magnifiques qui posaient pour Picasso et d'un père photogénique comme Fidel Valentino. Au-dessus de son verso, on vit défiler les fées. Il avait tout, vraiment tout, pour être un très beau bébé. Simon Léon, à part quelques détails, était très beau garçon. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. On vous dira qu'à l'école, il fut toujours le premier. Quand on lui posait des colles, chaque fois il répondait. C'est vrai qu'il avait deux têtes, une pour oui, l'autre pour non. Quand on revient en même temps, il avait toujours raison. Dumont, Léon, à part quelques détails, étaient très beaux garçons. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Il fut un très grand pianiste, bien plus adroit que Chopin. Tout seul il tournait les pages, tout en jouant à cinq mains. Au chirurgien préparé, il devient tireur d'élite. Comme il n'avait qu'un seul œil, c'est lui qui tirait le plus vite. Dumont, Léon, à part quelques détails, étaient très beaux garçons. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Il gagna au jeu d'entaille le 410 mètres et remporta deux médailles, que beaucoup pour un Français. Comme il avait quatre jambes et que rien n'interdit ça, il fit premier et deuxième, on n'avait jamais vu ça. Dumont, Léon, à part quelques détails, étaient très beaux garçons. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Plus vieux que Mathusalem, un jour il quitta la vie, et c'est sans aucun problème qu'il monta au paradis. Quand Saint-Pierre ouvrit la porte, la première chose qu'il vit, c'est que le bon Dieu et les anges étaient tous faits comme lui. Dumont, Léon, quatre jambes, mais c'est pas important. Mais c'est pas important.